12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Lydie Kouadou. À la une de l'actualité, ce jeudi, 9 901 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de fonctionnement de l'État pour l'année 2022, décision prise lors du Conseil des ministres tenu hier mercredi. Ce Conseil a aussi ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur les produits médicaux contrefaits. Recensement général de la population et de l'habitat, édition 2021. L'opération démarre ce 8 novembre. 28 500 agents seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, au Zimbabwe, le principal parti d'opposition, l'Alliance du Mouvement pour le Changement Démocratique, a dénoncé hier mercredi une nouvelle attaque contre son leader Nelson Chamisa, visé par des tirs après un meeting politique. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi fixant le budget de l'année 2022 à 9 900 milliards de francs CFA, soit une progression d'environ 18% par rapport à celui de 2021. Un budget qui passera à un peu plus de 10 000 milliards de francs CFA en 2023 et à 11 000 milliards en 2024. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres d'hier mercredi, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a aussi ratifié au cours de cette réunion la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et infractions similaires. Une convention qui a été mise en place en 2011 en Russie. On fait le point avec Tiemoko Diarasuba. Face à la crise sanitaire de Covid-19 qui a secoué le monde, le gouvernement ivoirien a été obligé de revoir le budget à la hausse en cours de gestion en passant de 8 061 milliards de francs CFA à 8 415 milliards avec un taux de croissance de 2% en 2020. 2021, les efforts du gouvernement ont fait éviter à la Côte d'Ivoire la récession. La croissance a rebondi, passant à 5,6% avec une prévision de 7,1% en 2022. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Le budget de l'État pour l'année 2022 vise à raffermir et à optimiser les acquis enregistrés grâce aux efforts déployés par le gouvernement pour juguler les impacts négatifs liés à la pandémie de la Covid-19, mais également à poursuivre les objectifs nationaux de développement orientés vers l'amélioration substantielle des conditions de vie de la population à travers des mises en œuvre du Plan national de développement PND 2021-2025 et du second programme social du gouvernement, le PSGOV2. À cet effet, le budget pour l'année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires déclinés au sein des institutions et ministères. Le gouvernement renforce la lutte contre les faux médicaments et la contrefaçon dans le domaine médical. Le chef de l'État a donc ratifié une convention européenne dans ce sens, mais aussi accepté que notre pays signe le traité de l'Agence africaine du médicament. Cette convention organise le cadre international de coopération entre États en vue de mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations contre les faux médicaments et de les sensibiliser sur la nocivité des produits contrefaits, sur le trafic de produits médicaux contrefaits, sur la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité. Elle prévoit à cet effet des mesures de coordination nationale, de mesures préventives à destination du secteur public et privé et des mesures de protection des victimes et des témoins. Enfin, 14 décrets ont été adoptés prenant en compte plusieurs préoccupations de l'industrie des arts et de la culture. Le centre sportif culturel ivoiro-coréen baptisé Alassane Ouattara sera lui inauguré le 28 octobre prochain en présence du chef de l'État ivoirien. Président de la République qui a d'ailleurs salué la présence du directeur exécutif du RHDP au congrès constitutif marque la création du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Depuis quelque temps, Radio Côte d'Ivoire n'est même plus dans certaines villes et localités du pays, dont San Pedro, une situation due à une interférence entre la fréquence de la radio nationale et celle de l'aviation civile. Le porte-parole du gouvernement rassure les auditeurs que tout est mis en œuvre pour un retour à la normale. Amadou Koulibaly.
C'est un problème qui est en train d'être adressé, mais il y a des questions plus sérieuses parce que ailleurs, c'est des radios pirates, donc des radios non légales, non officielles, qui parasitent les fréquences. Donc c'est une question qui est en train d'être traitée. L'AAK est bien sûr saisie de cette question puisque c'est elle qui attribue les fréquences pour ce qui est des radios de proximité. Et évidemment, c'est une question qui touche les questions de sécurité aérienne puisqu'il s'agit de fréquences aériennes. Vous comprenez qu'elles puissent passer en priorité. Donc c'est une question qui est en train d'être traitée. J'espère en tout cas qu'on va apporter une réponse rapide pour le confort des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire à San Pedro, mais au-delà, toutes les radios qui ont eu des fréquences officielles et qui se trouvent être parasitées par d'autres fréquences. Et on en vient à la conférence de Glasgow de 2021 sur le changement climatique qui aura lieu du 1er au 12 novembre prochain. La Côte d'Ivoire se prépare à prendre une part active à ce rendez-vous qui se tiendra en Écosse. Les résultats de la révision des contributions déterminées au niveau national CDN ont été présentés hier mercredi au cours d'une cérémonie d'avant-départ à la COP26 sur le climat. Il ressort des résultats que la Côte d'Ivoire affiche une nouvelle ambition de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici à 2030. Les précisions du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi. Cet objectif correspond à un abattement chiffré d'environ 37 millions de tonnes équivalent CO2, là où l'ambition de la Côte d'Ivoire dans le premier document CDN affichait un abattement de 9 millions de tonnes équivalent CO2, soit une réduction de 28,25% en 2030. Par rapport à un scénario de référence. Par cette ambition renforcée, notre pays marque sa ferme volonté de réduire son empreinte carbone et de participer à l'effort global de réduction des émissions dans le cadre de l'accord de Paris. Des actions majeures ont été prises en compte au niveau sectoriel pour atteindre cet objectif de réduction de 30,41%. Représentant le Premier ministre à cette cérémonie de présentation, le ministre d'État, Kobinan Kwasi Adjoumani, a remercié les partenaires au développement tout en réitérant l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. On l'écoute. L'ambition de notre pays est donc sans équivoque faire de la lutte contre les changements climatiques l'objectif à partager avec toutes les communautés nationales. Face à ces enjeux, les contributions déterminées au niveau national constituent les éléments de référence de notre stratégie commune de lutte contre les changements qui vise à favoriser l'émergence des mutations et la mise en place d'outils et d'indicateurs au niveau sectoriel dans la lutte contre ce phénomène. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'au nom de toute l'équipe gouvernementale, je voudrais remercier vivement tous les partenaires au développement qui ont appuyé financièrement et techniquement l'élaboration de ce document et solliciter encore leur contribution à la mise en œuvre des recommandations y afférentes. Je vous le disais en titre, les 28 500 agents recenseurs dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat 2021 seront déployés sur le terrain du 8 au 28 novembre prochain. C'est ce qui ressort de la deuxième édition des rencontres du CICG dénommée Tout savoir sur, qui a eu comme invité Gabriel Dofou-Onguessan, directeur général de l'Institut national des statistiques. Les agents recenseurs devront tout mettre en œuvre afin de recenser tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Mais comment pourront-ils les reconnaître? La réponse avec Dofou Onguessan. L'agent recenseur travaille sur la période indiquée tous les jours. Parce qu'une personne qui n'est pas recensée, c'est un souci pour nous au niveau de l'Institut national de la statistique. Parce que c'est pour permettre à l'État de mieux planifier sa politique. Comment reconnaît-on un agent recenseur? L'agent recenseur, il aura d'abord un chasuble orange avec bien sûr l'insigne de l'Institut national de la statistique, du BTPR, mais aussi écrit derrière recensement de la population 2021. Il aura une lettre d'introduction signée par les autorités locales. Il aura un ordre de mission, il aura un badge, il aura sa tablette, il aura un gel et il aura son cache-nez. Donc autant d'éléments parce qu'on prend des dispositions pour garantir à l'agent lui-même et aussi pour ne pas qu'il tombe aussi malade, mais aussi qu'on protège le ménage où nous allons adresser nos questionnaires.
Les chefs d'établissement de Côte d'Ivoire étaient quant à eux en formation. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'enseignement des apprentissages premiers et de la direction des établissements scolaires de Côte d'Ivoire, IFADEM-PAPDES, une innovation pour donner une formation initiale aux gestionnaires des établissements scolaires pour la gestion de leur structure. Corona Sekongo pour des précisions. Cette formation, selon le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, professeur Silim Kalbous, est fondamentale pour la qualité de l'enseignement qui passe essentiellement par la formation des formateurs. Ce n'est pas simplement une formation pilote pour quelques enseignants choisis, mais là on a atteint les 34 000 enseignants formés. Cela commence à être très sérieux, très important quantitativement, mais aussi qualitativement parce que c'est une formation qui utilise les nouvelles technologies, ce qui permet justement d'avoir encore plus de former, ce qui permet d'utiliser les nouvelles technologies pour une pédagogie innovante. Et puis, il y a une collaboration importante entre plusieurs organismes internationaux comme l'Agence universitaire de la francophonie que je représente, mais aussi l'OUF et surtout avec le ministère. Un défi pour le ministère de l'Éducation nationale. Siloué Nanzoin, directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. On a compris qu'en fait, les enfants ont un problème d'accompagnement. Le projet qu'on a nous permet de suivre les enfants, de former d'abord les enseignants, leur apprendre à parler aux familles pour que chacun prenne sa place. Que d'abord, les enfants sachent lire, écrire, compter en quittant le primaire. Qu'ils parlent français correctement. Au secondaire, on va leur apprendre les rudiments des sciences. Et à la fin, à la troisième et au-delà maintenant, on va en faire des gens qui vont être préparés à avoir des bacs scientifiques. L'un des objectifs spécifiques de cet atelier est de faire le point de la formation des vagues 1 et 2 des instituteurs et des directeurs d'école primaire. UNJC IMAG, c'est le nouveau magazine de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ce bimestriel de 52 pages en quadricromie et sur papier glacé couché a été présenté cette semaine. Selon le président de l'Union, UNJC IMAG se veut un trait d'union entre les journalistes et leurs fêtières et entre l'UNJCI et ses partenaires. Écoutons Jean-Claude Koulibaly. Un magazine dédié à l'UNJCI pour répondre à deux besoins. Le premier besoin, c'est le besoin d'information et de communication des journalistes, des membres de l'Union et de toutes les associations affiliées à l'UNJCI, qui sont les organisations professionnelles des médias. Bref, c'est informer et communiquer avec la base, si je peux m'exprimer ainsi, au terme syndical, et sur les activités et les actions de l'UNJCI. Deuxième besoin, c'est le besoin de visibilité par rapport à nos partenaires qui, comme on le sait, ont besoin de beaucoup de visibilité, puisque ce sont eux qui nous accompagnent dans nos différentes activités au quotidien, nos différentes actions. Vous savez que l'Union est une association qui n'a pas de subvention, qui n'a pas de budget en tant que tel, mais qui vit des dons et des legs et des contributions des différents partenaires. Rendons-nous à présent dans le nord du pays, précisément à Napié, où la jeunesse prône l'excellence à l'école en cette rentrée des classes. L'action est à sa 4e édition. L'innovation cette année, ce sont de grands prix décernés aux filles et une grande conférence sur les dangers liés à la consommation de la drogue à l'école. Suivons la correspondance de Sié Kouassi. Cette jeunesse montante s'est constituée en ONG baptisée ADEX, Agir pour le développement et l'excellence à Napié. Son credo, faire de l'excellence la boussole du développement dans tous les domaines d'activité de Napié. Et pour atteindre cet objectif, les membres de cette ONG ont décidé de promouvoir l'école. Cette année, comme les trois dernières années écoulées, ils ont célébré sur la place publique les meilleurs élèves de la commune afin de susciter en eux une concurrence positive orientée vers le développement personnel. L'édition 2021 a été celle des filles, 86 prix raflés sur 154 décernés au total. Des enquêtes indiquent que certains élèves s'adonnent à la consommation de stupéfiants dans les établissements. Une conférence a été dite par une écrivaine marraine de l'édition 2021. Dans sa présentation, Dr Epiphanie Nangitaï s'est attardée sur les dangers de la drogue sur la santé de celui qui la consomme et invité les parents à un encadrement rigoureux de leurs enfants. Son appel est entériné ici par Koulibaly Kolotioloma, coparrain de cette édition 2021. Arrivé grand, quand vous avez conçu ce rêve, vous devez le protéger et vous battre de sorte à pouvoir réaliser ce rêve-là. Comme Bernard Dati le dit, le travail, après le travail vient l'indépendance. Telle va être la devise de notre génération. La 5e édition de l'excellence à Napié se tiendra l'année prochaine et de belles perspectives sont annoncées par l'ONG ADEX, toujours pour le bien-être des populations de Napié. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire.
Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition, l'Alliance du Mouvement pour le Changement démocratique, MDC Alliance, a dénoncé hier mercredi une nouvelle attaque contre son leader Nelson Chamisa, sorti indemne après avoir été visé la veille par des tirs alors qu'il se trouvait dans sa voiture après un meeting politique. Le parti avait dénoncé une précédente attaque la semaine dernière. Les tensions politiques ont augmenté au Zimbabwe avant les élections présidentielles qui auront lieu dans 2 ans. Nelson Chamisa devrait s'opposer pour la seconde fois à l'actuel chef d'État Emmerson Mnangagwa. Et puis, l'Afrique du Sud débute la vaccination des adolescents. Les jeunes entre 12 et 17 ans sont désormais éligibles à recevoir le vaccin. Une seule dose de Pfizer leur sera administrée pour l'instant, conformément aux recommandations du comité de conseil COVID-19 du pays. L'Afrique du Sud souhaite vacciner au moins 6 millions de personnes supplémentaires contre le virus et tente d'augmenter son taux de vaccination pour atteindre l'objectif des 300 000 injections journalières. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce 12 heures, le rappel de l'essentiel. 9 901 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de fonctionnement de l'État pour l'année 2022, décision prise lors du Conseil des ministres tenu hier mercredi. Ce Conseil a aussi ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur les produits médicaux contrefaits. Recensement général de la population et de l'habitat, édition 2021. L'opération démarre ce 8 novembre. 28 500 agents seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, au Zimbabwe, le principal parti d'opposition, l'Alliance du Mouvement pour le Changement démocratique, a dénoncé hier mercredi une nouvelle attaque contre son leader, Nelson Chamisa, visé par des tirs après un meeting politique. C'était le journal présenté par Lydie Kouadou. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Je vous propose à présent de suivre l'invité du jour avec Paul Philippe qui reçoit Dr Koné Amidou, médecin de santé publique. Ensemble, ils parleront de la campagne nationale de vaccination initiée par le ministère de la Santé, campagne qui s'achève ce jeudi 21 octobre.